Bonjour, ça va? On serait joué de repartir? Alors, dans un plan de redémarrage de ce type-là, ce qu'on cherche, c'est redonner confiance aux gens. Un stock de masques pour démarrer? Oui. Cool. On a pris la décision de donner un kit individuel de protection des gens, pour que les gens se sentent à l'aise quand ils sont sur le campus, quand ils ouvrent des portes et puis qu'ils n'ont pas un toilette à proximité ou un désinfectant. Donc on va leur remettre un kit de redémarrage, un welcome kit. Un désinfectant avec une pompette. Ouais, ok. D'accord. Je gère mes stocks. Ouais, je vois ça. D'accord. Il n'y a pas d'obligation du port du masque aujourd'hui. Le télétravail reste la règle. Reviennent que les gens qui ont un besoin impérieux de venir relancer de la recherche, de revenir faire de la collection de données, de faire de l'expérimental. Donc la priorité doit être donnée à l'expérimental. Et on insiste sur le fait de garder vos distances. C'est pour ça qu'on a mis en place un plan progressif, aussi un plan progressif de reprise des groupes de recherche qui ont fait un énorme effort pour faire cette planification au sein de leurs équipes pour qu'on ait qu'un certain pourcentage par jour de gens qui sont présents sur le campus. Alors bien évidemment, il n'y aura pas d'étudiants. Donc 40% des effectifs habituels des unités de recherche et aussi des services soutien, des services centraux, des services opérationnels de l'école. Alors, donc, du coup, maintenant qu'on a rouvert, il faut remettre à jour le tableau des habitudes des enfants pour l'alimentation. Ce qui veut dire approximativement entre 1200 et 1500 personnes qu'on devrait avoir par jour. Et puis, si tout va bien, ça va grandir pour être aux alentours de 2000 à 2500 personnes. Dans la restauration, il y aura une offre pas complète habituelle du campus de l'EPFL avec tous ses restaurants. Quelques points de restauration vont être ouverts. La priorité est donnée au takeaway, avec des règles très strictes. Donc on va, oui, venir inciter les gens à bien faire attention. On va faire un contrôle dans les files de restauration, dans la restauration et dans les laboratoires. Alors très honnêtement, revenir à la normalité, ce n'est pas une question à laquelle je vais pouvoir répondre aujourd'hui. Ça serait faire vraiment des plans sur la comète. Je crois qu'il faut qu'on soit prudent. Ensuite, notre objectif, c'est quand même de pouvoir avoir des étudiants sur le campus. Il y aura la session d'examen. Donc on doit se préparer à ça et on ne doit pas péjorer notre situation à l'orée du mois d'août, qui sera la période d'examen, pour ne pas pouvoir le faire. Donc on va être prudent dans cette reprise, avec l'espoir qu'on pourra donner plus de latitude aux gens si c'est possible, mais c'est vrai qu'on va faire très très attention.